Bonjour, bonsoir, c'est Queen Cécile. Alors, je reviens de. J'étais faire un. Enfin, c'est pas des grands co-courses, hein, c'était des petites co-courses. Je me suis tapé la flotte et puis le mec là, il est rentré. Il t'a fait peur à Blacourt. Oh mon bébé! Je l'appelle depuis tout à l'heure, Guillaume, pour savoir, parce que je lui dis, comme je suis en Viens mon bas, bébé, et je viens vais mon l'appeler pour savoir où bébé, il est, comme ça je viens l'attends. mon Bah, bébé, figurez-vous qu'il était déjà à la maison, dis ne donc. bouge Enfin voilà, enfin, c'est pas grave. Il est descendu me chercher le sac, parce que l'autre fois, j'en pouvais plus avec le sac. heureusement qu'il y a un homme, hein. Enfin bref. Donc, j'étais allée que Leader Price parce que on a changé notre menu. On devait faire des poissons avec du petit pois ce soir. Mais j'en ai pas envie, petit pois. Donc, du coup, Salade. enfin, les poissons avec une salade. Avec des lardons, des œufs, du thon dedans. J'aime bien. Salade campagnard. Voilà. Donc, j'ai pris deux boîtes de thon. Ce temps qu'ils sont ouverts, les leaders parlent jusqu'à fin avril, je prendrai du thon, comme ça nous fait de l'avance. Deux boîtes de thon. J'ai repris qu'un truc de lardon, parce que ça suffit pour mettre dans la salade. Quoique j'ai pris deux sacs de ça. Enfin non, ça ira. Truc de lardon nature, j'espère qu'ils ne sont pas salés. J'ai pris un petit truc de rosette à 1 euro, sans promotion. Voilà. J'ai repris des saucisses, enfin 10 snacks de poulet, c'est snacky au poulet. À la volaille, moi j'aime bien. J'aime bien les autres aussi, mais j'aime bien la volaille. J'ai repris deux sachets de lait iceberg. Elle est déjà lavée celle-là. Alors, ben, en plus, elle est déjà lavée, mais là, le sac, il est lavé parce que je n'ai pas la flotte. Je suis sortie, il ne pleuvait pas, je marche un peu, ça y est, il pleut. Ça fait que ça a pleuvoir, s'arrêter, pleuvoir, s'arrêter. Après, j'ai rencontré Martine, on a discuté en bas, on s'est pris la flotte. Enfin, bref. C'est pas grave. Donc, regardez pas l'état de mes cheveux. De toute façon, ils sont pas beaux en ce moment. Bah, du coup, ma coiffeuse, elle vient plus le 22, elle vient le 26. Parce qu'il y a Tourine qui veut se faire couper les cheveux aussi. Je vais me les arracher, les cheveux, à force. Donc, deux sachets de salade. Je sais pas si on utilisera les deux. Mais peut-être un pour ce soir et puis un, je sais pas, on verra. J'ai pris une badoit, mais je l'ai entamée un petit peu, j'avais soif. Une petite badoit, parce qu'ils n'ont plus de grande badoit. J'ai pris des yaourts à la grecque, alors ça, c'est la première fois que je vois qu'ils les ont. À moins qu'ils en aient, que ça part vite, je ne sais pas. Quoique, il ne restait pas beaucoup non plus, donc ça se trouve, ça part peut-être vite. Yaourt à la grecque, au mur, il y a deux mûres et deux framboises. Souliers aux fruits de deux mûres et deux framboises. Donc, je vais goûter. Moi j'adore les yaourts à la grecque. Guillaume, il n'aime pas les yaourts à la grecque. Pourtant, c'est bon. Et qu'est-ce que j'ai pris aussi? Ah oui, alors la vinaigrette, il n'y avait pas ma vinaigrette que je prends d'habitude. Il restait la César, mais moi j'aime pas la César. Et ils ont ça, apparemment, c'est nouveau. C'est une sauce vinaigrette shaker, si vous la remuez. Vinaigre de vin et échalote, celle-là. Donc moi j'ai pris celle-là. Mais il y en avait aussi à tomates séchées. Donc on va voir si c'est bon. Si la prochaine fois elle est bonne, je prendrai la tomate séchée parce que j'aime bien la tomate séchée. Après, quand c'est un shaker, vous voyez, vous la revenez. Comme ça. Et hop, c'est la vinaigrette. Donc, on va voir avec la salade ce soir. Pas besoin que ce soit pas bon, hein, vinaigre de vin, échalote. Ça peut être que bon. Voilà. C'est la première fois que je les vois, hein, ou alors j'ai jamais fait Non. attention. Ils n'en ont Je sais jamais pas. mis. Ils sont tout en haut. Des vinaigrettes. Je dis, c'est quand le magasin va fermer qu'ils mettent des trucs nouveaux, n'importe quoi. Et puis j'ai repris des œufs plein air. Élevés en plein air. Les bio. Ils sont un peu plus chers, mais après, voilà. 2 euros, des Il y en a 10 dedans. 2,78 €. 10 et encore, normalement, j'avais vu pour 12. Bah, j'ai pas dû prendre la bonne boîte, ou alors il n'y en avait plus. Mais ça va, ils sont pas cassés parce que j'ai oublié de vérifier au magasin. Normalement, je vérifie toujours les œufs avant de prendre. Ils ne sont pas cassés. Donc j'ai pris les œufs au plein air. Je vais faire une omelette. On est au plein air, comme ça, pour la salade ce soir. Parce que je voulais faire une salade de gésier avec des pommes de terre ou la salade. Mais ils en ont plus de gésier. Plus du tout. Je ne sais pas. Bah, ils n'en avaient pas mis la dernière fois aussi. Hein. Non, non, mais je crois que là, comme le magasin va fermer, ils n'ont pas dû recommander le gésier. Tous les coups. Donc ça, c'est Leader Price.
Mais manque de... J'ai pas grand-chose, hein. J'en ai eu quand même pour 17 euros. Non, 21 euros. Ce que j'ai payé le plus cher... C'est les... Ah, c'est ça. Les œufs. Non. Ah ouais, quand même, 2,37 euros. Bah, plus les œufs, ça veut dire presque 5 euros. Et les œufs, 2,75. Donc là, j'ai dit 2,78. C'est ça que j'ai eu le plus cher. Ouais. J'avais raison. Voilà. Voilà. Pas grand-chose, mais bon, 21 euros. Et là... T'as un gâteau, les pas. Je sais pas combien j'ai d'articles. Ils marquent pas, mais d'articles on a. Bah, tu comptes. Et ils mettent pas combien il y a d'articles. Normalement, ils venaient le mettre. Oui, un carrefour, les marques. 1, 2, 3, 4, 5. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13. Oui, c'est normal. Voilà, donc ça c'est Leader Price. Après, chez notre boulanger favori, en paysan, la baguette. C'était toute chaude tout à l'heure, d'ailleurs, là, elle est prête. Je suis arrivée, il m'a donné la baguette, elle était toute chaude. Elle est encore tiède. Et j'ai pris deux gâteaux. Ma montre? Non. Au goût. Pas envie. Marrant, bon. C'est la surprise. Non, c'est ma vidéo, c'est pas la tienne. C'est le gemel, là. Bon, bah, je repars alors. J'ai pris ton avis, j'ai pris. Mmh. Non, parce qu'on se fout partout, là, il y a la crème chantilly et tout. On va se régaler. J'ai pris les deux petites mousses chantilly avec framboise. Oh, pardon. Je me lève en même temps que la boîte, vous avez remarqué. Hein. Je sais pas pourquoi je me lève en même temps que la boîte. Voilà. Il en restait pile deux quand je suis arrivée. Je suis avant d'aller dans la Leader Price parce que moi je passe toujours. À la boulangerie avant pour qu'elle me réserve ma baguette et voir ce qu'il y a en gâteau. Des fois, ça peut être intéressant. Et là, j'ai vu les deux. Là, je dis, oh là là, madame la boulangère, les deux, là. Il y avait une dame derrière moi. Je ne sais pas si elle voulait, mais c'était fini. Elle me les a mis de côté avec la baguette. Voilà. Parce qu'au début, il n'y avait pas de baguette. Il n'y avait que du pain. Bon, bah, dit, tant pis, je vais prendre un pain. Mais bon, c'est un peu gros, le pain. Et puis, quand je suis revenue, il y avait des baguettes. Boulanger, il venait de mettre des baguettes toutes chaudes. Donc, du coup, j'ai pris une baguette. Voilà. Donc, ce soir, on a des petits gâteaux. Parce qu'hier, Guillaume, il n'a pas trouvé de gâteau à 1,20 €. Il avait... Enfin, il y en avait, mais. Non, il n'y avait plus rien. Il y avait... Il restait un flan. Il faisait des gâteaux à 1,20 €, mais il n'y avait plus rien. Plus rien du tout. Là, par contre, il y avait des glands, il y avait tout ce que tu voulais. Ah, bah, tu vois, c'est. On va comprendre. Ouais, parce que quand c'est pas les gâteaux à 1,20 €, les gens. Ils... Et en plus, j'ai pas été trop. Ah, si, parce que j'avais été tard. Oui, t'as été tard. Les gens, ils hésitent à prendre les gâteaux. De temps en temps, ils prennent au prix normal. Mais à 1,20 €, ça part vite. Mais c'est normal, à 1,20 €. Puis alors que t'as été, c'est normal, c'est un peu tard. Puis bébé, il a goûté la chantilly hier soir. Sur. Ah oui! Ah oui, avec mon ananas. Il n'y avait pas de frais, j'étais dégoûtée encore. Ah bon? Alors, l'autre fois, je vais pour chercher la crème chantilly pour l'ananas. Il n'y en avait pas à Leader Price. Là, t'y crois, là, il y en avait. Il n'y a pas de fraises. Bah, c'est vrai, les gens, ils prennent tout. Ça commence à me faire chier, j'arrive pas à avoir des fraises. Je vais aller au marché. Et Blaco, il adore la chantilly. Oui, alors, il a commencé à manger ma chantilly. Ça nous on a été surpris hier soir. C'est mon ananas, hier. On a été surpris hier soir. Il y en avait plein, là. On pensait qu'il n'aurait pas aimé, mais putain, il y allait, hein. C'était bon la chantilly à maman hier, à mon bébé. Oh oui. Non, mais c'était tout frais et tout. Oh oui, c'était bon la chantilly, oui. Il aime ça la chantilly. Bah, même les saucisses de Francfort, il a mangé. Oui, aussi, oui. Il lui a piqué dans mon assiette. Oui, on a fait chalam chassibi hier. Alors, ouais, super bon. C'est bon, mais par contre, moi, j'ai pas tout mangé parce que c'était. Bourratif. J'en pouvais plus. Super, super bon. Et puis, j'ai pas envie de manger trop. Je m'en suis gardé pour lundi. Petit pois là j'ai pas pris parce que pour ce soir parce que j'ai pas envie de. J'ai eu quelque chose de. Petit poisson avec les salades, c'est très bien pour ce soir. Ouais, un petit truc léger. Avec un petit filet de citron, comme il y en a des citrons, ça tombe très ah bien. Ah ouais, bah oui, hein, pour profiter. Voilà. Donc c'est tout. Bah nous, il pleut chez nous, hein, ça arrête pas. Ça y est, c'est parti pour la pluie. De toute façon, ils ont annoncé tout le week-end. Donc demain, t'as intérêt à prendre ton parapluie. Hein. Ouais. Si vous voulez voir mes TikTok, j'ai mis plein de TikTok sur mon Insta et Facebook. C'est ma vidéo. Donc c'est mes TikTok qui vont voir les gens.
Tu feras une vidéo à part pour parler de tes TikTok. Je fais de la pub. Mais... Oui, tu peux y aller, remarque, j'ai pas de pub sur celle-là encore. Et si vous connaissez pas les Bretons... Puis on vient allez-y. Ici pour parler, je fais comme toi. Si vous connaissez pas mais les non, Bretons, allez-y. Tu ne voyais pas là, donc tu viens parler ici. Je suis timide. Non, mais tu viens pas t'incruster sur ma chaîne d'abord. Je suis timide. C'est que moi, sur ma chaîne. Et Blacko. Oui, mais bébé, voilà. Et Maouz. Non, Maouz, c'est moi. Gros bébé et petit bébé. Voilà. Toi, c'est Blacko et moi, c'est Maouz. Bon, ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Hein. Demain, je sais pas, le fraise au marché, faut que je me lève de bonne heure aussi. Ah bah. Et encore, c'est même pas garanti, je vais en trouver. Si, tu vas en trouver. Peut-être trouver, mais il m'a peut-être pas donné non plus. Si, si, tu vas en trouver. Bah, tu fais tout le marché, tu regardes les prix, tu compares les prix après. Moi, j'aurais acheté comme elle a acheté une Willis, là, un cajot. Ah, elle a été Intermarché pour l'acheter. Ah, bah, remarque, on a l'Intermarché là-bas. Mais... Bah, je sais pas. Moi, ah, bah, demain après-midi, on peut aller faire un tour. Où ça rentre. Intermarché, avant 19h, si tu rentres avant 19h. Ah bah oui, je vais rentrer avant 19h. Et bah demain après-midi, on va chercher un cajot de fraises à Intermarché. Ah mais il va être à combien aussi? Je sais plus combien elle a payé, Noélis. Je sais pas, ouais, mais là où elle est, et puis ici, c'est... De toute façon, ouais, mais Intermarché, c'est sûr qu'il y en aura, parce qu'eux, ils remettent leur stock. 4 euros, je crois, elle a payé. Intermarché. C'est la révolution. Il n'y a pas des trucs aussi qu'elle trouve, Noélis, à Intermarché? C'est la saison cappuccino qu'elle n'arrive plus à trouver. Ah, bah au pire, si on y va demain après-midi, Noélis, si jamais tu regardes la vidéo. Si t'as intérêt, hein, sinon si jamais je te on trouve ton cappuccino, je t'en prends. Comme ça, je te l'envoie dans le swap. En fait, il faudra qu'on voie pour le swap, hein, Noélis aussi. Hein. Ça va être tard après. Bah ouais, non, quand t'as le temps, on voit ça et puis on fait. Non, non, c'est tout de suite maintenant. Parce qu'il faut qu'on voie ce qu'on peut prendre pour les 15 petits cadeaux. Voilà. Moi, c'est tout. On n'a pas reçu la... On est quoi, nos modèles, là? Oui. On n'a pas reçu la mienne, une box de Pax. De Pax. De Pax. Ah, d'accord. Maouz. Oh, ça arrête de bouffer le plastique. Viva Cats, oui, de Pax, on l'a eu. Mais on n'a pas la mienne, une box. En plus, ça a été payé. Hein. La mienne, une box. Bah oui, elle a été payée. Pourtant, sur leur site, elle y est, hein, photo, déjà, pour Pax. Enfin bref, c'est pas grave, dès qu'on l'aura, de toute façon on fera. Ma Dégusta Box, alors je ne raconte même pas, c'est une histoire, c'est un roman. Enfin, quand il devait me la livrer aujourd'hui. Alors je sais pas s'il est venu ou quoi, j'en sais rien, il m'a envoyé un message pour me dire qu'il passait, le livreur. Et puis comme par hasard, à 13h, personne, j'ai regardé pour le suivi de Colissimo. Votre colis n'a pas pu être remis. Je suis d'accord. Je suis là et personne qui passe. Ça commence à bien faire la poste. Donc, du coup, bah, j'ai demandé qu'il me soit livré à la poste. Comme ça, c'est pris en compte. Je l'aurai lundi à partir de 15h. J'irai chercher ma Dégusta Box. Comme ça, moi, je suis sûr que je l'aurai dans les mains. Parce que si j'attends après eux, je ne suis pas prêt de l'avoir. Et je vais demander à modifier la Dégusta Box qu'on me dise maintenant dorénavant comme ça. À la poste ou à un point relais. Et puis, c'est tout. Voilà, j'en ai marre de la poste. Ils nous font des pubs là, mais en fin de compte. Non, c'est surtout les livreurs, c'est des cons, oui. Je sais pas. Ils savent pas travailler. En plus, il est obligé de monter hein, parce qu'il est obligé de signature et tout. C'est ça, fainéantise. Enfin bref. Donc, voilà. T'as resté au chômage. Donc, enfin, dès que je l'aurai, hein, lundi, je vous ferai la vidéo de la Dégusta Box. Je comprends pas, c'est une question. C'est ma première Dégusta Box. Ben, ils ont été sympas, Dégusta Box, par contre, je leur ai fait un mail. Ma première couche de versoir, parce que ça, c'est la deuxième qui me renvoie. Ils m'ont offert 10 points de fidélité, déjà d'avance, pour dédommagement de ça. Voilà, donc je vais vous laisser parce que j'ai des choses à faire. T'as rien à faire? Ah, c'est mon jeu. J'ai rien à faire, si. J'ai la vaisselle à faire. Mais bah je vais la faire, la vaisselle. Ouais. Mais il faut changer la litière des chiens aussi. Bah, tu fais la litière, moi je fais la vaisselle. Ou sens inverse. Mais moi, toi, la litière, t'en as pour 3 heures. Moi, bon. En 5 minutes chrono, la litière, elle est faite. Bah, tu fais les deux. Et ta soeur? Je vais faire mon âge, moi, pendant ce temps-là.
Mais ça va, c'est la fête, tu pâches pas le linge aussi? Non, le linge, je vais le faire, ça. T'as vu la vierge, toi? Il est rentré, il râle. En plus, il était là, il dit rien, il appelle pas pour dire qu'il est rentré. Hein. Mais pourquoi tu j'appelle Ça sert à rien, t'es vivante, t'es pas morte, t'as pas kidnappé. Bah au moins me dire que t'es rentré, en plus il y avait pas. On m'a pas appelé pour demander une rançon, non? Parce que t'es dans le noir. Mais j'aime bien être dans le noir. Tu fais tes TikTok dans le noir. Bah oui, j'ai avec le téléphone, j'avais assez de lumière. Bon, du coup, tu me fais chier pour faire les vidéos pour éclairer toute la Versailles et pour tes TikTok. Là, il est 8h30. Hein, sur entrée, il était même pas 7h. Et ben, il commence. Et ben, il faisait jour encore. Oui, mais il faisait gris, il pleuvait. Oui, mais non, je voyais. Bizarre. Bah, je t'ai pas entendu regarder un film de cul. C'est hein. Que tu l'as mis. De quoi? Ta maîtresse. Virginie, sors de là. Ça, c'est Virginie, tiens. Bon, bah voilà, je vous laisse. C'est pas Julie. Hein. On sait pas l'histoire de Julie, enfin, quand on saura jamais la fin de cette histoire. Enfin, bref. Bon, bah, je vous laisse. Après, ça y est, on mange plus à la cantine. Ah bon? On a dit, on va déménager. Et vous mangez où? On va aller manger en face. Non, là où il y a la réserve et tout. Ah bah tu fais comme les mecs qui vont venir pour les balcons là. Ouais. Ils sont en train de manger. On a préparé 30 tables. Et pourquoi vous mangez plus à la cantine? Bah parce qu'apparemment il y a eu un truc de contrôle d'hygiène, de sécurité pour le virus là, de merde là. Et ils sont aperçus que la cuisine est trop petite et on est trop serré. Ah bah oui. Mais comme il y a un mardi, c'est le ramadan. Il va y avoir moins de monde. Bah on va être que 10. Ouais, mais c'est 6. Parce par... que tout le reste c'est. C'est 6 par font table. Ils font le ramadan. 6 par table. Bah il va y avoir 30 tables, c'est bon. Ça va aller 30 tables. De toute façon, quand vous mangez, vous remplissez pas les 30 tables. Puisque vous mangez jamais. Mais on est quand même. Temps. On est quand même 190. Hein. On est 190 personnes. Mais quand les même, filles, elles mangent pas là, elles. Bah pour les filles, je sais pas. Je sais pas s'ils mangent avec nous, les filles, ou ils restent. Parce qu'il n'y a pas. Les filles, il n'y en a pas beaucoup. Il y a quoi. Même pas 3-4 filles. Non, non, les filles, elles vont manger ailleurs. Julie, là, elle mange. Mais il n'y a pas de Julie. Jamais. C'est une Virginie, je crois. Ah, bah Virginie, justement. La Soli. Soli. Qu'est-ce qu'elle fait là, Virginie? Une Sophie. La Soli. Et deux Carolines. Caroline. Et puis Cassandra, la copine à Damien. Non, c'est Gabriel, ça. Bon, bah, je vous laisse, alors. Sur ce, on a su la life à Ville Guillaume. Alors que c'est ma chaîne, hein, mais bon, il raconte sa life sur ma chaîne. Donc le patron, il va... Voilà, il continue. Il va... Tu veux que je te laisse ma chaîne, la vidéo de ma chaîne, non? Il va acheter des belles nappes à fleurs, tout, des couverts, des verres. Et on va plus te niquer, on se passe. Et celui qui voudra pas manger en face, qui voudra manger dans la cuisine, bah c'est fin de mission direct. Pardon. Oh bah putain, c'est pas sympa ça. Ah bah c'est interdit. Pourquoi après, faire le contraire? C'est beau s'il veut manger dehors, il pourra manger. Oui, dehors. Il peut manger dehors, ça on s'en fiche. Mais la cuisine, elle sera fermée. Elle sera fermée totale. Ah oui, il faut pas qu'il aille manger dans la cuisine. Après. Quitte à retourner les tables, on s'en fout, mais... Donc il veut refaire des travaux. Non, c'est à cause du truc d'hygiène, de sécurité. Oui. Mais ça risque que vous risquez de rester longtemps comme ça. Bah oui, bah tant pis. Hein, parce que si on l'a jusqu'à la fin de notre ville, les trucs de Covid, là, vous n'avez pas mangé pendant... Bah si, on mangera en face. Si ça se trouve, tu vas mourir, tu mangeras plus dans ta cuisine. Hein. Le problème, c'est que de l'autre côté, il n'y a pas de frigo. Le frigo, il est chez nous. Oh là, vous avez comment pour vos plats? Bah, le problème, c'est que les frigos, on peut pas, c'est des frigos encastrés. Comme c'est des cuisines déjà toutes faites, avec le frigo carrément dedans, encastré dedans. Et vous allez faire comment, alors, pour les plats? Bah, on sera obligé d'aller mettre notre gamelle dans le frigo. Encastré. Et au moment de manger, bah, les mecs, ils iront chercher leur gamelle, ils redescendront en bas, ils iront manger en face. Oh, le bordel, toi. Ah bah oui, bah... Il peut pas acheter un petit frigo? Bah, je sais rien. Et vous avez un petit frigo? Eh, on est 190 personnes. Oui, non mais d'accord, oui. Vous avez four à micro-ondes, tout ça. Bah justement, les four à micro-ondes, on va les mettre de l'autre côté. Et les frigos, ah oui, ils sont encastrés, tu peux pas les prendre. Bah non, hein. J'en ai parlé des frigos à mon chef, je lui ai dit, mais ouais, mais les gars, nous on a des produits frais, on va faire comment? On va pas les laisser dans le placard et tout, alors qu'en ce moment, c'est interdit
la bouffe dans les placards, vous nous prenez la tête pour ça. Et là, si on laisse la... Là, il n'y a rien de tête pour ramener les cafards, et t'as de bordel, hein. Bah, vous serez comme ça, et puis c'est tout. Hein. Bah, on n'a pas le choix. On va vous voir traverser avec votre gamelle. C'est ça. Bah oui. Que vous traversez. Bah oui. Ah bah, c'est avec vous. Et moi, avec mon sac de petits cochons. On emmène le cochon avec toi, là-bas. Je vais... Tu devrais l'amener, lui, comme ça, quand il y en a un qui ouvre le frigo, tu l'entends, le cochon. Voilà, on a trouvé maintenant. Bon, ben, je vous laisse, je vous dis une bonne soirée. Ah oui, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous. Sonnez la petite cloche. Salut! Sonnez la petite cloche, si elle ne marche pas, ben, vous la désactivez, vous la réactivez. Des gentils commentaires, hein, pas des méchants. Moi, Bodyguard, il n'en veut pas de toute façon. Il n'aime pas. Et voilà. Ça va, depuis qu'on l'a, là, depuis qu'on l'a mis, depuis presque un mois, là, on n'a plus de problème. On aurait mieux fait le mettre déjà bien, bien avant, on n'aurait pas eu autant de merde. Bon, voilà. Bon, bah, sur ce, bonne nuit. Oui, bonne nuit, bon appétit. Bon appétit pour ceux qui vont manger, parce que je sais qu'il y en a qui mangent à 19h, comme les poules. Bah, comme petit cœur. Comme petit cœur, elle se reconnaîtra. Ah bah, encore moi. Et encore, elle ose me dire que c'est Nanou qui veut manger 19h. L'autre fois, elle m'a dit, c'est Nanou qui veut manger. Nanou, je suis pas pour la paix des ménages. Hein. Non, pas du tout. Donc, bon appétit pour ceux qui vont manger, qui ont déjà mangé. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et il y a déjà une vidéo sur la chaîne des Bretons. Il y a une vidéo sur la chaîne des Bretons, apparemment, Guillaume me dit, parce qu'il y en a qui s'inquiètent que depuis qu'il n'y a plus de vidéo. Ah bon? Oui, j'ai eu des messages. Cécile, pourquoi il n'y a plus de vidéo sur la chaîne des Bretons? Qu'est-ce qui vous arrive? J'espère que tout va bien, qu'il n'y a rien de grave. Non, bah voilà, c'est comme ça. C'est non, comme ça. C'est parce qu'on avait décidé peut-être un petit peu de ralentir, là, voilà. Comme pour les lives, on m'a demandé. Alors, le live, samedi. Je ne sais pas. Il y aura un samedi. J'ai dit, je ne sais pas. Je suis moins fatigué, ça va mieux. J'ai dit, je ne sais pas. Marie-Laure m'a demandé, j'ai dit, je ne sais pas. Ce sera en fonction de Guillaume, parce qu'il travaille demain. Non, donc, mais je me sens verra. Beaucoup moins fatigué, donc ça va. On verra. Quoi, on verra? C'est moi qui décide, c'est moi si qui fais les lives. Si t'es fatigué, tu le feras pas. C'est toi qui fais les lives. C'est moi qui fais la halal, c'est le frère. Ah oui, on m'a demandé si je pouvais faire des lives sur ma chaîne. Bah, alors, non, pour l'instant, c'est pas que j'ai dit que je ne pouvais pas, parce que, tout simplement, c'est pas que je ne peux pas. Je pourrais, mais il faut que je me mette sur le PC. Et c'est vrai que les lives sur le PC, c'est bien, mais c'est ce qu'on avait fait au début, nous. Bah, au début, mais on n'avait pas le choix. C'est un peu chiant, parce qu'il faut allumer les lumières tout partout. Derrière. Mais non, j'ai les spots maintenant. Donc, voilà. Mais autrement, normalement, je ne peux pas en faire. Hein. C'est uniquement le PC. Pour que je puisse en faire là, sur la tablette ou le téléphone, il faut que j'ai 1000 abonnés. Alors, si vous voulez vraiment que je fasse des lives, abonnez-vous! Quand je serai à 1000, je fais des lives. Ça va, ils vont dépasser les Bretons. D'ailleurs, je suis contente. Je suis à voilà, bébé qui passe. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est là pour lui de manger. Et que son papa lui donne pas. Donc il attend maman vienne. Bah oui. Donc moi je suis à combien? Là j'ai augmenté, j'ai vu ça. Nous on est à. Je suis à 580. Nous on est à 1990. 580 abonnés. Il reste encore 10 personnes et à 2000. Donc allez-y, allez-go, allez-y. Allez-y, il nous manque 10 abonnés. Encore 10 abonnés là, allez-y, allons-y, montez là. Si vous allons-y. Qu'on fasse le concours là. Si vous voulez avoir des cadeaux, venez. Oui, mais non. Mais pas que pour les cadeaux. Il va y avoir 50 personnes qui vont venir d'un coup. C'est pas intéressant de prendre des gens s'ils viennent que pour les cadeaux, ça nous intéresse pas nous. Si vous venez, c'est pour vous abonner à notre chaîne, c'est que ça vous intéresse. Voilà. Ouais, c'est pas pour vous arrêter. Pas que pour les abonnés. Concours. De toute façon, ce sera le premier concours qu'on fera, d'ailleurs. Voilà. Voilà. Bon, sur ce, voilà. De toute façon, vous allez avoir une surprise parce que je ne vous montrerai pas les cadeaux. Ce que j'ai à dire, je vous laisse. Bonne soirée, bonne nuit, bon appétit. OK. Ciao. Gros bisous. OK.